salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Warzone, la Battle Royale de Call of Duty. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui les amis, je vais vous le dire directement, j'avais tort, je me suis trompé sur Warzone, mais j'ai décidé de lui laisser une nouvelle chance. Et là je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais Skyros, de quoi tu parles? Je parle du sniper du Tundra. Effectivement, bon, j'avais toujours dit que les snipers de Cold War sur le jeu c'était de la merde, et c'est vrai que bah c'est un peu plus compliqué, ou du moins différent. Et du coup j'ai voulu leur donner une petite chance et j'ai eu raison. Je vais expliquer un petit peu tout ça, et de toute façon si vous voulez la création des classes et un peu plus de détails, ça sera à la fin de la vidéo. Mais du coup je me suis dit, pour changer un petit peu, même si voilà j'adore le car et pour moi vraiment le car c'est le meilleur sniper qu'on puisse avoir sur le jeu, j'avais envie de varier un petit peu. Je me suis dit, on va redonner un petit peu une chance au Tundra, parce que je l'avais trouvé au sol et c'est vrai que j'ai dit comme ouais c'est pas si mal finalement. J'ai fait une petite classe qui s'est résultée quand même plutôt bueno, et du coup bah j'ai voulu leur donner une petite chance. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à chaque fois que tu vas changer de sniper, parce que tous les snipes ont une vitesse de balle différente, ont une retombée différente, etc. Donc à chaque fois, plus l'ennemi est loin, plus ça prend du temps d'adaptation pour arriver à savoir à peu près à quel endroit tirer pour la retombée de balle, pour la vitesse, etc. Il faut de la pratique, il faut de l'entraînement, et du coup au début de game, des fois il y a des petites balles un petit peu à côté, mais une fois que j'ai réussi à trouver mon shoot avec le Tundra, c'était bueno mon pote. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant je disais que les snipes de Cold War c'était vraiment de la merde, c'était comme ah, je te touche pas à ça. Et il y a une raison pour laquelle c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que les autres, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, d'atout robustesse. Sur les snipes d'MW, il y a l'atout robustesse. Donc si tu te fais tirer dessus pendant que bah t'es en train de viser, autant t'as l'atout qui pourrait te permettre de contrôler un petit peu, qu'on n'a pas sur les armes de Cold War. Et ça c'est un truc que je ne comprends pas, pourquoi quand tu mets les armes de Cold War sur le Warzone de Modern Warfare, tu fais pas également les mêmes choses, de mettre les atouts, hein, tout simplement, passe-passe, balle chemisée, etc. Pour moi ça n'avait pas vraiment de sens, surtout que c'est quelque chose qui pour moi aurait été vraiment super simple à faire et qui n'aurait demandé absolument rien comme game design. C'est juste des stats un peu que tu rajoutes, tu changes, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais bref, c'est comme ça, c'est leur jeu, c'est eux qui font. On a beaucoup d'idées mais personne ne nous écoute, mais du coup bah c'est vrai que quand tu te fais tirer dessus bah c'est un peu compliqué, donc il faut adapter un petit peu le gameplay, il faut filer comme ça. Mais l'avantage vraiment ce sont ces lunettes qui nous permettent d'avoir un grossissement quasiment égal que ceux qu'on utilise par exemple sur le car, mais sans être repéré, avec la petite lueur du snipe qui pourrait briller, et du coup d'être beaucoup plus incognito. Et au final ce qui est vraiment kiffant avec le Tundra, ou en tout cas les snipes de Cold War, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une pénétration des balles qui est vraiment supérieure. C'est à dire qu'un mec qui est dans un véhicule, t'as l'impression que tu peux le toucher et le tuer beaucoup plus facilement qu'avec les snipes ou les fusils tactiques de MW. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'informations par rapport à ça, et au final on se retrouve avec une petite game plutôt sympa, même si ça a du mal à commencer au début, hein, c'est un petit peu long, mais une fois que ça s'enchaîne, aïe 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 que c'était bon. Bref, en tout cas j'espère que vous passerez un excellent moment en notre compagnie, tel est le but bien évidemment, et si c'est le cas n'hésitez pas dès maintenant à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, ça fait plaisir, c'est la récompense, abonne-toi pour être sûr d'obtenir des vidéos, active la petite clochette des notifications. Bref les amis, sans plus attendre, c'est parti. Ah, y a du monde sur le toit. Je vais vite descendre avant. Ça arrive, je crois. Let's go. Il y a d'autres gens encore. Non ? De ton côté ? On va bien. Tiens. Lui, il est mort instant. Non. Tiens. Ouais, il y a du monde encore. On doit descendre par là, non ? Ils sont au-dessus. J'ai un silence de mort, je vais y aller. Ok. Il craque. À terre sur moi. Le mec en rouge. Ouais, ouais. Ok. Il est fini. Ouais. Mais le mec, il avait un capteur cardiaque, il savait même pas qu'on était là. Oui. Bon bah écoute, on est pas trop mal, y'a des plaques si tu veux là. Et où est-ce qu'il y a un shop? Y'a un shop village, vas-y, go alors. Y'a une boîte de plaques si tu veux. Y'a une protection ici. J'ai pris un drone. Là que je suis safe. Et on va prendre le Tundra. Allez. Y'a personne ici hein. Ça a même pas été loot, je crois. Oh, t'as une couronne là, hein, si tu veux la jouer.
Oh. Vas-y. T'as une sacoche là, c'était ça. J'ai. Une protection ici. Je prends la boîte de plaques. Je pense qu'on va prendre le véhicule et on va prendre le drone et on se barre. On pourrait même se prendre une autoréa chacun. On peut en profiter comme ça, c'est. Oh, y'a un gars. Ah bah d'accord. Bah lui il est plus là. Il est plus là, on le voit plus. Mec au chat à gauche en fait. Y'a du loot sur le sol. Il a dû prendre sa caisse. A droite. S'il est pas monté à droite. Break, bien joué. Cible éliminée. Ok, y'a un mec après la tyrolienne là, en bleu. Me dirige par là. Y'a une boîte de mun là-haut si tu veux. Sur le mec que j'ai buté. Yes. J'en ai déjà une, je la claque au sol. Vas-y, vas-y. On a pas besoin. J'ai repéré l'équipement. Ok. Ah, y'a un mec dans les airs. Ah, je vois plus. Enfin, derrière la grande tour blanche, et sur la tour blanche, ça me shoot. Ok. Ils sont un ou deux? J'en ai vu un, mais je suppose qu'ils sont deux. Ok, je prends. C'est une tunnel, j'ai une frappe. Hein. Je vais mettre la frappe pour qu'il dégage. Si non, je prends l'ascenseur. Non, laisse-les sur le toit. Laisse-les sur le toit. Il est plus là. Je crois qu'il a sauté. Fort possible, ouais. Ah ouais, bah écoute. Ah oui, je vois. Touché shield une fois. À terre. Il avait une autoréa. Ouais. Ici. Je vais par là. Sur le point, il y a du monde, point bleu. Ah, ici, le véhicule devant toi. Ah, j'ai mis une balle, mais il s'est barré. Je suis visé. Le toit hôpital. Ouais, en bas de l'hôpital aussi. Je suis pas sûr. Ah si, c'est bon. Ah, y'a deux gars. Ah, un en bas. C'est bon, je vais être safe, je suis derrière le caillou si tu veux finir. Si tu le sens, hein. Tu le sens pas? Si j'arrive. Bon. Ok, nickel. Parfait. Thank you. Eux, ils vont être chiants. Ouais. Ça, c'est clair. Il y en a un au petit balcon, il y en a en bas, c'est ça? Ouais, ouais. Putain, mais en bas, j'allais pas le voir. Quoi? Mais quoi, Nani? Ils ont pas été mauvais, hein? Ah, non. Putain, moi, j'étais. Enfin, vu leur façon de jouer au tout début du fight, je me suis dit, mais eux, jamais de la vie, ils vont bouger, hein. Eh bien. Évasion imminente! Let's go, on a une chatte énorme. Bah non, j'ai gagné mon goulag. M'en fous moi. Ah oui, toi oui, mais moi je pense que je vais avoir l'évasion. Ah du coup ouais. Je pense que le mieux d'acheter la caisse, ça serait storage. Vu que ça se tape sur le toit, on va être trop vulnérable. Gaz en approche. Ah oui. Déplacement de la zone. En plus de ce choc, je déteste vraiment. Ah bah rien. En plus storage c'est sur le chemin de la. C'est sur le chemin de la zone, donc autant en profiter en vrai. Je me disais bien que j'entendais du bruit. Je me shield parce qu'il y avait un gars qui était sur le toit.
Ok, let's go. C'est quoi, je prends un drone. Et on va aller se prendre la prime. Et on va essayer d'avoir notre autoria grâce à ça. Un mec dans les airs là, c'est un snipe. Ennemi repéré. Vous allez devoir éliminer bah, tiens. La cible mise à prix. Bah, c'est qu'ils ont fait le toit ça. Bah, ils sont encore non? Ah non, ils sont en parking. De toute façon, ils vont devoir bouger. Par contre. Ouais. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Parfait. Par la gauche. C'est eux qui nous traquent aussi. Un à terre sur moi. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Lui, il est pas en confiance, hein, je te le dis tout de suite. Il se bat, hein ? On est d'accord ? Ouais. Il est station d'essence. C'est lui qui nous traque en plus, l'enfoiré. Il est là. Ennemi repéré. Et je passe par la gauche. Il y a un camion. Oh putain, il y a un véhicule qui arrive derrière. Il est passé derrière le bâtiment. T'as un ping ? J'ai crack. Ok, nice. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Good job, good job, good job. Avec quoi tu joues, mon petit loulou? Ouf. Y'a un mec qui spawn sur moi. Ouf. Oh non, c'est les armes au sol qu'il avait, le bougre. Eh, pas si mal ce petit Tundra après tout, hein. Pas si mal. Y'a un shop là, prends-toi une Autoria et un drone, vas-y, fais-toi ouais. Plaisir. Tu veux le drone maintenant ou pas? Ouais, vas-y. Ah ouais, je l'ai craqué. Ah ouais, la pénétration des balles dans le véhicule est insane. Ok, j'arrive vers toi. Attends, attends. T'inquiète, t'inquiète. Oh, y'a deux teams en fait. Ah ouais. J'ai un silence de mort, je peux rentrer dans ton bâtiment. Oui, il est sur le toit. Y'a un sur le toit. Eh merde. Ils sont occupés sur toi ou pas? Je crois qu'il y en a deux sur le toit. Le gaz se rapproche. J'ai un silence de mort, j'y vais. Reste là. J'ai crack shield le mec avec son chapeau, cowboy. Vas-y, vas-y prends le relais. Il est crack shield l'autre. La hog. T'inquiète, c'est bon. T'es une canaille toi hein? Oui. Un ennemi atterrit dans la zone, surveillez le ciel. Let's go. Ah, il touche pas mal hein, mais il a la hog donc Zone reconnue.
reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Va repérer. Merci beaucoup. J'essaie de spawn là où t'étais il y a deux secondes pour récupérer le loot des mecs dans l'escalier. En espérant qu'il me casse pas trop les couilles, monsieur sur le toit là. Ouais, tu sais où il est, reste à couvert de lui. Hein. Ah ouais. Attention, le drone n'a plus de carburant. Sinon je passais par le bas en vrai. Ouais. Oh. Il est mort. Elle avait la M16 en fait. Hein. Bien joué. He's dead. Ok, bon. What? Où ça? Ici, sur le véhicule. J'ai neutral le véhicule. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Cible mise à prix identifiée. Éliminez-moi ces enfoirés. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on est dans la zone. Hein. Largage tactique allié imminent. Il est là. Hein. En bleu normalement. Crash shield le mec. Oh là là, mec. Triomphez de vos ennemis. Frappe de précision ennemie à couvert. Mais non, mais c'est pas possible! Mais. Attends, mais. T'inquiète. Pablo. Je les ai fumés. Le gaz arrive. Mais ils avaient pas de thunes, les gars. Bien joué, Sky. Mais ils avaient zéro thune. Cible marquée. Pulvérisez-moi tout ça. Piloteur de zéro, bien reçu. Frappe à dispersion envoyée. Le gaz avance. C'est trop tard, on a perdu les cibles. Plus que 5. C'est pas si mal le Tundra au final, hein. Bien joué, Sky. Bah, encore bien joué, Sky. À droite. Quoi ? Bien joué. Il fait des 3-6. Bien joué. C'est la dernière équipe, t'es en 1v2, mec. Ouais. T'as capteur de termites. Ils sont là-haut, hein. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Que j'ai la zone. En vrai, t'es très bien là. Oh, t'as fait un bunny.
Bien joué Sky. Let's go. En espérant que c'est pas celui de gauche qui a l'autoré. Hein. Oh nice. Hey, le Tundra mon pote, il est validé ou quoi là? J'ai eu un petit peu de mal au début parce que comme j'ai l'habitude d'utiliser le car 98 automatiquement, c'est assez différent la manière de le shoot quoi. La retombée de balle, la vitesse de la balle, etc. Mais une fois que tu l'as en main, mais mec, c'est 100% validé le Tundra. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que en mettant la lunette x3, t'as un grossissement qui est très très bon avec une large vue. Mais t'es pas repérable par les ennemis, c'est-à-dire que quand tu vises avec le snipe, tu sais qu'il repère la petite lunette, ça brille un peu. Là, non. Donc c'est plutôt bon. 19 frags en plus, hein. Et pas si mal, hein, comme petite game, ça, un petit 19 kills. Je vais remontrer la classe quand même, parce que je trouve qu'elle est pas mal. Alors, j'ai trouvé, hein, j'ai cherché un petit peu par-ci, par-là, et au final, je trouve qu'elle tape plutôt bien, quoi. Avec le x3, du coup, y a pas de reflet de la lunette quand tu vises, mais le zoom... C'est assez étrange, en fait, la manière d'avoir les zooms sur le jeu, c'est que... Normalement, avec le car, c'est supposé être un zoom x6 et celui-là, c'est un zoom x3. Mais je crois qu'en réalité, les zooms ne font pas réellement les grossissements qu'ils disent qu'ils font. Et je trouve que l'avantage du x3, c'est que le rebord est assez fin, donc tu vois vraiment bien tout ce qui se passe. Et la crosse du combat du SAS, et enfin bref. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres classes à faire, mais elle est validée celle-là, elle est validée. J'avais la petite FFAR qui m'a bien aidé quand même sur certaines circonstances. Hein. Mais bon, quand tu utilises une arme sur le jeu que c'est une des premières fois que tu l'utilises ou la première fois et que tu te sens pas forcément à l'aise avec ou tu sais pas trop comment ça marche, toujours l'accompagner d'une arme avec laquelle tu sais comment ça fonctionne et qu'elle fonctionne bien. Jamais prendre deux armes dans une classe test parce que du coup, tu te retrouves un peu bancal. Donc si par exemple, dans le cas là, j'ai voulu tester la classe Tundra, voir un peu comment ça marche, automatiquement, je la couple avec une arme que je sais qui va vraiment m'aider dans certaines circonstances, ou en tout cas, je sais absolument comment elle fonctionne. Parce que si tu prends deux armes que tu débutes avec, c'est un peu plus compliqué. Donc toujours, dès que tu testes une arme, prends une avec laquelle tu te sens en confiance. Comme ça, ça permet de tester l'arme en question dans les moments un petit peu plus faciles, mais vraiment dans les moments compliqués, comme on a vu quand j'ai rushé dans le bâtiment, forcément, je prends la FFR. Bon, de toute façon, j'aurais pas pris le car pour autant si je jouais avec le car, mais au moins, tu vois, c'est vraiment d'avoir ça, quoi.